Voilà, Poltergeist. Si tu veux un Poltergeist chez toi, achète de la pâte à fixe. Pâte à fixe éco plus Poltergeist. Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui enlevez vos lunettes. Oh, car vous allez avoir du... Oh, le coca. Ça commence bien. Vous allez avoir du gras plein les yeux. Et oui, on va faire un tacos Big Mac Nuggets frites sauce creamy. Hamburger barbecue, filet aux fish potatoes sauce chinoise. Alors je rentre d'un long week-end hein, de vacances du coup. Ça va beaucoup mieux pour ceux qui ont suivi. Hein. Vous savez que j'avais besoin de me reposer, j'étais très malade. Et du coup j'ai commencé plein de vidéos de survie que j'ai pas pu finir. Donc elles arrivent dans les prochains jours, vous inquiétez pas. Là je suis juste fatigué parce que j'ai pas pu dormir dans le train. Ceux qui m'ont suivi sur Insta le savent, il y a des gens, ils arrêtaient pas de péter. Et j'avais pas mon masque à gaz. Voilà, du coup je rentre, il me reste qu'une soirée à Nice, j'ai forcément envie d'un tacos. Au tacos c'est loin, la flemme, le McDo est à côté. Et je me suis dit on va faire un tacos McDo. Et pour ça les amis, attention, j'ai pris bien sûr de magnifiques nuggets hein, pour la première viande. Désolé, j'attaque direct. J'ai pris bien sûr un magnifique Big Mac hein, puisqu'on va faire un tacos Big Mac. Oh, alors c'est la première fois les amis que j'ai un Big Mac qui ressemble un peu à la photo. J'ai pris bien sûr deux burgers pour le tacos burger. Olé, je pouvais pas faire un tacos Big Mac sans un tacos burger et il est bien cuit. Et j'ai pris bien sûr un double filet au fish pour faire un tacos poisson. Et là je vous montre, hein, je vous avoue, il est très très beau, regardez avec la petite sauce qui sort. Ah! Ça c'est depuis la vidéo où je devais survivre sans les bras, je fais tout avec les dents. Et nous avons bien sûr une magnifique grande frite qui est vide, je crois qu'ils en ont mangé avant de me la servir. Ainsi qu'une magnifique potatoes que l'on va mettre avec le filet au fish et on va faire un mix sur le burger. Et là c'est moi qui en avais déjà mangé. Oh, et bien sûr que ce serait un tacos sans les sauces, nous avons de la sauce creamy pour la version Big Mac, de la sauce barbecue pour la version hamburger, oh, et de la sauce chinoise pour la version filet au fish. Voilà, sucré poisson. Et j'oubliais, j'ai pris un magnifique McMuffin egg bacon parce que j'ai jamais goûté, ce sera donc pour le dessert. Alors j'ai quand même regardé s'il n'y avait pas quelqu'un qui l'avait déjà fait sur YouTube, et il se trouve qu'il y a une personne qui l'a faite. Alors nous on va faire du full McDo, lui il l'a fait un peu aussi en version maison. Et en plus on a déjà échangé plusieurs fois, voilà je lui fais un gros coucou, c'est le youtubeur Valouz. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est vraiment quelqu'un de très sympa. Oh les tacos. Allez, on va commencer par le plus important, la pâte à Big Mac. Pour ça, c'est très simple, on prend son Big Mac, on le détruit et on le transforme en pâte à Big Mac. Ah, pâte à Big Mac. Allez, on prend son tacos, on commence par mettre quelques petites frites, quelques petits nuggets coupés en deux, sauce creamy, oh, mi. Voilà, de la sauce creamy partout. Encore de la sauce creamy. De la pâte à Big Mac, comme ça elle va coller sur la sauce creamy. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà, je ferme mon tacos, il est un petit peu chargé je vous avoue. Nuggets. Allez c'est parti, la pâte à burger. Double burger. Oh. Et regardez-moi ça les amis, on a de la pâte à burger. Et n'oubliez pas de vous hydrater quand vous mangez gras. Et bah c'est du Fanta. Tacos, un petit peu de frites, un petit peu de potatoes. Oh, et je me suis gouré, c'est la chinoise. Allez, un petit peu de sauce barbecue. Encore de la sauce barbecue. Alors je vous montrerai bien de plus près, mais j'ai qu'une seule caméra. Et encore de la sauce barbecue. On ajoute ensuite la pâte à burger. Pâte à burger qui reste collée sur la sauce barbecue. Et voilà les amis, on a un magnifique tacos hamburger. Et j'ai oublié les nuggets. C'est pas grave, je les mange avant. Allez, on va faire la pâte à double filet au fish. Et bon appétit. Ah. Oh. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que celle-là va être délicieuse. Regardez-moi cette pâte à double filet au fish. Wow. Tacos. Potatoes. Oh, nuggets. Sauce chinoise. Voilà, magnifique sauce légèrement sucrée. Et attention, la pâte à double filet au fish. Wow. Alors celui-là est magnifique, hein, vraiment. Allez, encore un petit peu. Hop. Et voilà, tacos double filet au fish, nuggets, potatoes, sauce chinoise. Voilà, ce qui est cool, c'est qu'on peut manger en faisant les tacos. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, je vais les faire gratiner tout de suite. Allez, c'est parti, les amis, c'est bien chaud, ils sont gratinés. Voilà, moi, c'est un petit gratinage au beurre. On est sur le Big Mac Nuggets frites sauce creamy. Fourré à la pâte à Big Mac. Voilà, je l'ai fait dépasser exprès pour vous montrer un peu l'intérieur. Regardez-moi ça, la sauce creamy qui sort. Wow.
Je vous montre l'intérieur, je peux vous dire que c'est vraiment délicieux et ça a vraiment goût de Big Mac du coup. Et j'appuie un peu, il y a la sauce creamy qui sort. Oh là là. Et bah c'était une bonne idée. Oh le gros nuggets. On voit le Big Mac qui sort, il y a le petit cornichon ici, la sauce creamy au petit bout de nuggets. Allez, on passe maintenant aux tacos hamburger fried potatoes, sauce barbecue les amis. Regardez-moi, il y a la pâte à burger qui dépasse. Oh là là. Et regardez-moi ça, il y a les potatoes qui sortent, la pâte à burger, la sauce barbecue. Et là, vous avez trop faim chez vous. Ouais, c'est vraiment bon. Et ben, ça change du pire tacos des abonnés. Nuggets creamy. Hydratation. Destruction. Allez, on finit par le potatoes filet of cheese, sauce chinoise et bien sûr nuggets. Oh, le potatoes filet of fish, ça va trop bien ensemble. Regardez-moi sa pâte à nuggets potatoes, pâte à double filet of fish. Et là, vous pouvez voir un petit nugget tout brillant qui essaye de s'échapper. Et ben tout ça m'a mis en appétit. Hydratation. Nuggets. Frittetos. Et petit dessert, on finit par le Egg McMuffin and Bacon. Oui, tous les muffins sont des desserts. Et ça, c'est vraiment beau, j'ai hâte de goûter. Il y a du fromage, de l'œuf et du bacon. Et un muffin. Et ben je trouve ça original, le pain est super. Je vous montre l'intérieur, ça fait un peu bizarre de manger un muffin à l'œuf, mais c'est très bon. Et regardez-moi ce côté, on voit bien l'œuf, le bacon et le fromage. Et ben on le voit plus. Hydratation. Et j'arrête parce que j'ai presque mangé jusqu'à vomir. Ce serait un peu une fin sale pour la vidéo. Et bah écoutez, c'était super bon, ma préférence va quand même au Big Mac frites, nuggets, sauce creamy. Je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus à 10 000 pouces bleus, on fera la version Burger King. Et si vous avez des suggestions de tacos McDo, Burger King ou autre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je compte sur vous pour faire remonter les meilleurs. Et bien sûr, si vous voulez voir la suite, abonnez-vous à la chaîne. Allez sur ce, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao.